On va parler du vin, ça c'est important. On fait du vin depuis pas longtemps en Vendée, puisqu'on en fait depuis le deuxième siècle après les Romains. Vendéen, épicurien, amoureux du vin, voilà ce qui caractérise Patrick Grenson. Ce bon vivant passionné par les produits authentiques de sa Vendée les rassemble ici à la maison du terroir de Brême-sur-Mer. Alors, qu'est-ce qu'on ressent ? Ancien sommelier, il a su apporter personnellement de l'authenticité et de la diversité à un apéritif bien connu des Vendéens. On a choisi vin de Brême, eau de vie de Brême, faite avec les lignes de nos vignerons, épine noire du buisson de Brême. Et il a fallu trouver un nom pour justement permettre au consommateur qui ne connaît pas le produit de ne pas se tromper, et est apparu tout naturellement Trousse Minette. Ça fait rire les filles et on s'est dit, bon, on a gagné. Moi, ce que je veux, c'est revendiquer au travers de mon terroir ce peuple qui a toujours su produire aussi bien en alimentation, aussi bien en vin, des produits d'exception. Pour s'en convaincre, Patrick nous emmène dans les vignes de Brême-sur-Mer. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de pouvoir avoir une logique de terroir. J'ai donc ici le vin. Je retrouve donc tout naturellement les épines à proximité. Je suis sûr que mes épines ne sont pas traitées, puisqu'effectivement, on est sur un terroir protégé. Et voici l'épine noire, appelée également prunelier. C'est ce qu'on va mettre au contact du vin. Homme de partage et de convivialité, proche de la terre, Patrick Grenson est probablement l'un des meilleurs ambassadeurs des producteurs de notre terroir. Où je me tourne, où j'aille, je rencontre des gens exceptionnels. Je pense qu'il y a une chose qui peut résumer la Vendée et son peuple, c'est l'âme.